pas une tenue pour arriver à la plage, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Quoique... Mais pas le temps d'en profiter, à peine arrivé sur le sable fin, il se met au travail, interview et rencontre avec son public. Une petite photo de ma fille. Oh. Allez, 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 allez. Et l'école ? Non, j'ai 31 ans. Plus de 10 ans après le succès de Camping, le duo Franck Dubosc, Fabien Antoniente se reforme, toujours ensemble au scénario, ils sont indissociables. Presque, car entre deux... C'est un peu comme Souchon et Bouzy, quoi, mais dans la connerie. Faut que ça demeure un plaisir. Et le plaisir, ils l'ont retrouvé en s'exilant en Guadeloupe. Toujours pour une comédie sentant bon la crème solaire. Parenté assumée avec la saga qui a fait deux des rois du box-office. C'est un cousinage. Mais heureusement, on fait pas de Camping 4, ça n'a rien à voir avec Camping 4, mais on avait quand même envie que les gens y trouvent aussi un petit peu leur compte de rire. C'est arrivé hier, mais tu m'as pété dessus, là. Non, non. L'avant-première mondiale a forcément lieu à Pointe-à-Pitre. Forcément avec un peu de stress. Ouais, je suis froid. Mais ce fut vite oublié. On n'a entendu que moi, dans toute la salle, je crois tellement j'ai rigolé. J'ai reconnu quelques endroits en Guadeloupe. L'ambiance de la Guadeloupe au soleil, franchement, ils ont bien représenté ça et c'est ce qu'on a aimé. Bref, en Guadeloupe ou ailleurs, voilà un film qui vous donnera envie de prendre des vacances avant l'heure.